Welcome to SFB News, <laughs> people. Like, share. <laughs> I'm on the street, baby. <laughs> okay, people, we are back. SFB News. Le Quatuor est présent. RJ, Spenty, Kaza, And miso, god Yes, yes, yes. All right, all right. Je suis hype comme ça parce qu'on se rapproche de la Super Bowl. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup d'upsets. Aujourd'hui, il y aura un peu d'arguments, je pense, aujourd'hui, parce que c'est une team avec une énergie. Il y en a une bière. Il a dit Oh mon gars, prends ta bière <laughs> parce qu'ils vont dire quoi On va parler. <laughs> on va parler de son. Vieux ce boy, boy. C'est pas ton boy. <laughs> ok. Tu voulais pas dire c'est mon boy. boy. Ok, on va commencer avec la NFL. Avant qu'on va avec les, les games et tout, hein, là-dedans. Je vais commencer plus relax. On va s'exciter. On va commencer avec euh, ta team encore, les Bills. Mm. Ton boy, mm. Stephen Diggs. Mm. Ton wide. Yeah. Euh, ça va pas bien, mon gars. Est-ce que tu penses qu'il va rester aux Bills cette année ou il va bouger ce année? Il, il peut ce que. Il peut ce que. Ah, ciao. Oh, moi, des Prima Donna comme lui, puis AJ Brown, I don't need that on my team. T'es sérieux? Ton meilleur sans, White? Sans, je vais trouver un autre White. Je, 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 je vais trouver un autre Rishi Rice dans le draft, t'inquiète. Tu penses? Un Rishi Rice qui s'est réveillé seulement en playoffs? 100%. Still, please, please, please. Dès que ça fait game plan game, mon gars, là, là, là c'est non, 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 là, là, la, la bière. Non, vite, non, non, non. T'habites trop vite, le, trop vite le mon pre, gars. Le, tu sais qu'un Prima Donna, un gars comme lui, c'est un cancer à une team. C'est pas un vrai cancer. C'est un vrai cancer. Mise au code. Le cancer, si tu lui donnes pas le ballon, ce que le QB qu pas fait <laughs> C'est eux qui ont créé leur problème. C'est eux qui ont fait ça Quand le gars fait un drag, puis ton, ton QB ne le regarde dis, pas cest le QB, Josh Allen a créé ce cancer-là en lui checkant ah, pas le ballon. Okay. Même quand Gabe, Gabe Davis est pas là, tu lui lances t pas le ballon Il est wide open, tu lui lances pas le ballon. Puis là, quand tu lui lances le ballon, il n'a pas touché la balle. Là, il, il, a, il a fait un méga drop à la fin, puis... Oh, mais lui, il s'attend à avoir genre fucking 12 targets. Ouais, j'ai um... <laughs> comme sincèrement, c'est moi et moi -là aussi, Comme je target Stéphane Diggs 12 times in a game aussi. Mais on dirait qu'au milieu de la saison, ils ont décidé juste de plus lancer à Stéphane Diggs. Comme ses targets, ses catchs ont descendu tout le long de la saison. Ça fait aucun sens. J'imagine c'est parce qu'il arrêtait pas de chialer Puis les coachs ont juste dit oh, « on on va sur toi ». Mais il a fait… Puis non, la saison, il s'est quand même… In check, comme il ouais. n'y a pas snap, il n'y a non, pas as vu? des hard Je te dis, il a par le ballon, exactement. <laughs> comme Rodula, il aurait été mieux de genre piquer une crise, foutre une calotte à, à, <laughs> à Josh Allen, Allen. <laughs> comme live on, on TV là, comme mm -hmm. juste sur réveille-toi. Euh, mais je pense que tu Josh Allen, il était il était que shit avant avant Steven Diggs, Je so, euh, je pense pas qu'il peut juste. Je pense pas que c'est un QB qui peut juste euh, recommencer avec n'importe quel receveur et penser qu'il peut élever ele un bon receveur. Lui, c'est le genre de QB qui a besoin de top receiver. Il n'est pas un QB qui éleve ses receveurs. So. Um, pour moi... Il va rester, Diggs, ou il bouge, tu penses? Je y pense. qu'il euh, un deux contract. Il, il, il peut juste demander un trade. Est-ce qu'il Est-ce qu'il va demander un trade ou pas? il veut pas rester il c'est la question que je te pose moi que je dirais toi, si je suis lui exactement après les deux dernières saisons je bouge je bouge <laughs> je bouge I'm out mais en même temps je, je suis peut-être d'accord aussi sur le fait que peut-être qu'il aura rendu sur la porte descendante là comme il est plus il fait des catchs ces saisons ouais mais c'est fou que comme Tari te voit comme ça de rappeler milieu de la saison là. pour que Tokubi ils se disent non je, ça ne sert plus à rien que tu le lances comme, moi je pense c'est plus à Josh Allen qui est aveugle qui est capable de voir ses receveurs quand ils sont wide open. Diggs a fait des gros catch, a sauvé des games durant la gars, saison. Il pas dire ça, là. On, on, aurait, on aurait eu une autre conversation s'il aurait été capable de step in son throw pour lancer à Shakir dans le fond du TD. C est, c est, comme ça n'a aucun rapport. C'est vraiment le fait que sa production a descendu. Les gars ont arrêté de lancer la balle à, à Diggs. Ils, ils ont still gagné des games. Donc l'importance de Stefan Diggs dans cette offense est descendue. Donc, moi, je, Why not ton? Ton salary de ton QB va juste augmenter. c'est so Pourquoi pas te départir d'un autre gros salary pour aller chercher de quoi de mieux? Kaza, est-ce que Stephen Diggs reste ou pas? C'est évident, Stephen Diggs devrait quitter l'équipe parce que je ne sais pas si c'est avec le OT, le head coach ou le QB. En ce moment, Stephen Diggs est dans le doghouse. On ne le file pas la balle, on ne l'utilise pas dans l'offense et puis ça va descendre sa valeur dans le value puisque la productivité a baissé. I said to stop the bleeding after the school. Yep. Perfect. Next question. Now, on rentre dans les pierres. <laughs> Patrick Mahomie. Big Pat. Thanos. The Thanos. Michael the Jordan. Michael Jordan. <laughs> the chosen one. Whatever you want to call him. The Swifty. Oh, no, don't say that. <laughs> <laughs> don't say that. <laughs> Guys, je suis Sambo. je Sans mots de ce qu'elle a fait. Euh, encore une fois. Elle bah, dit elle. C'était le c'est Elle, -ce c'est elle, le Il l'a -ce il a fait. Je suis sans mots. Et puis, ma question, c'est est-ce que Patrick Mahomes, après six ans à la Ligue, quatre apparences Super Bowl, deux fois Super Bowl Champion, deux fois Super Bowl MVP, est-ce qu'il est déjà un Hall of Famer Oui. <gots> Mise au oui, a Oui. <tit> <tit> <y a déjà, tit> il y a déjà un Hall of Famer comme live, il pourrait prendre sa retraite, genre dans deux ans, puis mm -hmm. c'est fini. Il y a. Il y a les accolades of l'offensive genre puis si tu te dis que s'il joue un autre saison ben il y aura il y aura deux fois une carrière of l'offensive genre c'est tout euh, non c'est of clair que puis tout le monde le sait déjà ça j'approuve à... est-ce que mon chorus ça dit ça déjà les... il n'y a plus rien à prouver 20. déjà plus de wins que Peyton Manning il peut avoir quasiment autant de wins que Tom Brady à la fin de sa carrière oui le gars est... Déjà Hall of Famer, puis Sakurai même pour projet de finir. That's Est-ce qu'il va donner le GOAT? Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Moi, moi je suis all for it. Moi, je, tu sais combien, comment je déteste Tom Brady. <laughs> so, si quelqu'un peut prendre son spot, I'm all, I'm all good. I agree. Moi, je pense que c'est le GOAT. On est en train de voir l'évolution du GOAT euh, au football présentement devant nous. Quelle belle air. Mais au GOAT? Bon, encore... faut il faut encore qu'il gagne celle-là. Mm -hmm. ouais. Même si qu'il a perd il y a tellement d'années. il y a, a encore tellement d'années, mais je veux dire, il y aura déjà deux losses. Tandis que Tom Brady en a juste eu deux. Oh! So, comme... Je pense pas qu'il perd. Non, non, mais c'est C'est ce, ce pas toi ce que j'ai dit. Ce, pas pas ce, <inaudible> ce que je dis, c'est que Tom Brady, il y en a quoi? Sept. Ouais. Sept en neuf. Il a non. 10 108 Non. Il a perdu deux fois contre Giants. C'est ça. en neuf? En neuf apparitions, il a gagné sept fois? Ouais. Il a il est allé à part qu'on est Giants, il a gagné. Wow! So, et Pétain, Peter... non. non. Pétain il a perdu. Il n'y a, a jamais joué contre Pétain Manning. Non? Parce que j'étais dans le même conférence. Ah, t'as raison. Um, so, Tom Brady, il yeah. um, y a 7 wings là. So, pour être le GOAT, il faut ce moins que tu matches Tom Brady. Puis si tu l'as fait genre un plus court de temps, ok. Um, donc, ça va être dur, ça. On part... a 7 rings. En, en... Ah, ben, il y a un starter. Il y a une un apparition. Ouais, c'est dans pace. Euh, le gars, 6 années comme starter, 6 conference championship, 5ème Super Bowl appearance. Euh, oh. Tom Brady a fait ça au début. Quand il a commencé avec. Euh, euh, quand il a euh, pris la relève, la relève pour Bledsoe, pour 4 ans, il a gagné 3 Super Bowl. Mm -hmm. Aussi, lui, il fait ça live sur 4 ans, 3 Super Bowl. Après ça, Tumberly a pris un, un break. Ouais. Un break de gagner et pour ça il est revenu quand une vengeance puis il a tout gagné. So, euh, c'est comme s'il si si peut avoir deux carrières. Genre dans, carrière. so, il peut prendre un break puis recommencer à gagner à la fin. Et, so, mais ça va être top. Pour moi, pour que je le dise, c'est le GOAT. Pour qu'au moins il match Tom Brady. Moi, j'ai toujours été de l'opinion que c'est inacceptable qu'un de... joueur ait GOAT pendant qu'il est encore en train de jouer. Donc, <laughs> je vais attendre la fin de la carrière applique aussi dans la NBA by the way on savait oh on savait qu'il venait pour la pointe oh de le brown gang. Mais comme oh si boy. tu me disais c'est qu'il est qu comme le plus talentueux comme meilleur comme, je pense qu'il a été meilleur comme kobe mm -hmm. pour lancer le ballon que tom brady au même moment ouais ouais ok next question quand la semaine passée j'ai dit est-ce que josh allen a gagné un super bowl dans sa carrière on n'était pas sûrs. <laughs> t'as récusé que la question t'as que la question est-ce que Lamar jackson va gagner un super bowl In his career. Guys, c'est un moment où je veux commencer. Non. Malheureusement, non. <laughs> Lamar Jackson va être un AI du basket. Lamar Jackson va être un Cam Newton. Lamar Jackson va pas. Wow, wow, Cam n'en a un. Non. non, il n'en a pas. pas. Il ne s'est pas rendu au Super Bowl? Dit, il a, 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 ouais, a fumballé le, le ballon dans l'end zone. Il s'est fait massacrer <laughs> par le D-line. Von Milleux. Milleu. Anyway, ça veut dire que je pense que Lamar va être un des. One of the possible great qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait pu être s'il y avait eu une, des meilleures weapons offensivement. On va s'entendre que la game, Zay Flowers l'a tué. Ça, c'est qui a, euh, a, perdu, qui a, perdu, la là, a perdu la game. là à l'eau tout seul. Yeah, non. C'est Flowers a perdu la game là, à l'eau tout seul. Non. Ok, Misogod. Non. Le gars, il a fait le deep catch, il aurait pu aller dans le side land, faire un touchdown, et essayer de danser. Pénalité après ça, on trouve le ballon, on poche le ballon à la ligne de 1. « J, garde le ballon, oui, rentre ça, je suis d'accord. C'est trois erreurs qu'il a Il y a des blâmes, mais ils ont perdu parce que l'arbre a choqué la game. 100% l'arbre a choqué. Parce que Z-Flower a, a fait son affaire, ta défense t'a redonné le ballon. tu oui. si t'es rendu Donc, encore devant jeune, t as t as lancé un gendarme, t'as lancé dans le triple team. Ouais. That's on you, comme T-Q-B. Facts, comme, facts. Comme... Oui, Z-Flower a pas aidé, mais fin a aidé, la défense t'a mis genre... En position de pouvoir Ils ont accordé zéro point la de, à Patrick Mahomes le second half. Mm -hmm. Puis toi t'as pas fait, as réussi à juste faire un 3 points. À la fin quand ils ont kické, as juste comme ça c'était oui, c'est ils juste vague. Comme tu dois aller pour un fourth down tu kick. Tu mm -hmm. penses que Patrick Mahomes va te redonner le ballon. Et mm -hmm. après ça tu vois il y a des larmes aux yeux sous le, sous le, sous le oh. Comme ton coach, tu es supposé dire à ton, ton coach non on kick pas on y va pour un ème mm -hmm. essai. Puis si on foire là on a perdu. Il y a pas de oh je kick là. Comme non moi pour le reste je mets tout le blâme sur la mort. Play le coaching, ouais, le play coaching. calling, le coaching. Euh, je ne dis pas qu'Odell était un euh, world beater, mais genre, on a vu que quand Odell était là, c'est le seul qui pouvait faire des catches, catch. des Clé. quick routes. Ouais. Les gars jouaient du Aguilar, du Batman Je pense que j'ai vu ils étaient, genre, étaient à leur ligne de deux. premier jeu qu'ils font, ils font un feed à Bateman. L'amour la a juste lancé le ballon à la bande. Ouais, C'était ouais, ouais, ouais. impossible pour Batman de cacher la balle. Deuxième essai, ils font encore un feed. Là, avec Odell, il a encore ouais. lancé à la bande. Comme, tellement il savait qu'il pouvait pas être accurate, il lançait une balle que le receveur allait juste jamais catch. Donc moi je trouve cette game-là, c'est purement sur la mort. Même quand il a pris le sac, genre c'était Fort Je pense 3 Il peut courir. Il s'est laissé rattraper pour ce sac. Donc, est-ce que tu penses qu'il va gagner un Super Bowl? Oui, éventuellement. Je veux pas Comme tu gagnes pas deux MVP, puis tu te rends pas au Super Bowl une fois. Euh, tu regardes Peyton Manning qui n'a pas gagné deux MVP peut-être qu'il y en a un mais il n'y en a pas deux moi je parle de deux MVP comme si je peux comparer avec quelqu'un c'est genre on va dire Peyton Manning Peyton Manning a deux MVP c'est pas comme s'il si a run des shit avec des, des Super Bowl Apprentices pourquoi? parce qu'il y avait fucking dans sa, dans sa conférence. <laughs> so, il y a C'est ça le problème avec mort. C'est ça, il faut juste qu'il <laughs> <juste> qu <laughs> réussisse à passer une <inaudible> fois ou <inaudible> deux. Il euh, y a plusieurs QB à battre. Il bon, n'y a pas y a, juste a, Pat Mahomes Non, à mais battre. je veux dire que peut-être Manning aussi avait d'autres QB. Ce que je veux dire, c'est si Patrick Mahomes, euh, pour une saison, on va dire, il y a NGL ou. Ils se font éliminer par une équipe par rapport. Là, c'est c'est comme... Tout le monde est comme c'est Freebens là. C'est Freebens, mais ça, c'est pour tout le monde. C'est ça, mais c'est Mais c'est qui Allen, Quand tu regardes les autres QBs, c'est qui qui a deux MVP C'est Patrick Mahomes. Puis c'est ça qui est arrivé avec Peyton Manning. Peyton Manning, il y a eu quelques chances d'y aller, mais quand il est allé, il a win. Donc, je pense que... Je pense que... Puis moi c'est quand même une bonne team bien run. Je pense que mort peut se rendre. Il peut se rendre, il peut en gagner un je dis pas qu'il va gagner deux mm -hmm. comme Peyton Manning, il Mais il peut en gagner un. OK. Comme il peut en gagner un à Baltimore. Puis si c'est si vraiment trop tough, il peut toujours changer de conférence. <laughs> comme Joe Allen. Aller dans NFC. Kaza, je suis d'accord. Oui, il va en gagner un. Pas à Baltimore, à mon avis. On se quitte là. Et ça, c'est loin parce qu'il vient de signer Désolé, un contract. C'est ça, le <laughs> max contract. <laughs> longtemps là. Ouais, mais on peut encore le trade. Ils n'ont pas le trade. Oh, oh, ouais. Non, va pas le trade. Je ne suis pas fermé à la possibilité. <laughs> ok. Oh. <laughs> bah, si le trade, on va dire, comme dans les <laughs> deux prochaines années, ça voudrait dire que la moyenne est tout d'un coup rendue un méga bot. Yeah, exactement. Comme tout rendu, il est rendu super trash, là. Et là. Là, tu vas dire qu'il n'y en jamais. Ouais, peut-être qu'il est trash avec le système de Baltimore, mais il mmh, peut perdre. Non, il est Alors, vraiment bon avec bon, le système. système de... Celui qui prend les erreurs imbéciles, donc pas courir, qui gagner ouais. <laughs> donc pas courir, donc lancer un, un triple coverage, celui qui. Oui, ouais, il hésite beaucoup trop Un uh, ender pocket. et j'ai vu ses erreurs. Non mais, faudrait dans cette game-là, le Chris Jones l'a dit, Il dit Lamar. Et ça, ça a toujours revenir contre lui. Il dit comme tant, tant qu'on le fait passer, on est bon. Est vrai. Okay? fais le drive, le terrain comme méthodiquement genre laisse le pas prendre des, des comme disons, il y a fait son touchdown à zee flowers parce qu'il a shake tout le monde dans percée à mm -hmm. lancer une bombe mm -hmm. mais quand fallait qu'il drive le terrain passe 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 comme il était trash là comme son problème c'est il peut pas faire les les comme les quick throws les les, les trop comment entre Et deux oui. joueurs des, comme c'est ça lui c'est oh mon gars est là je lui lance comme, comme 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 tom brady dit la plupart des qb ils sont pas vraiment des qb ils savent pas jouer la position de qb non, ils vont juste lancer le ballon à un gars prédéterminé de lui, quand il pouvait pas courir. Puis je trouve que quand il a vu qu'il était off avec son, ses lancers, il aurait dû juste go, ouais, go berserk, faire du Josh Allen, courir. pourquoi it. je trouve qu'il a été weak C'est genre. genre, quand tu regardes, la première fois que Josh Allen a joué contre Patrick Mahomes, au moins il a donné une game. Puis pourquoi tout le monde pense que Josh Allen est boosté mm -hmm. Parce qu'il a checké une game. Ouais. Jalen Hurts a perdu contre, en Super Bowl, il a checké une game. game. Le qu'il a joué contre. Euh, il a gagné, il a, a checké une game. Yeah. Toi, t'es arrivé comme un weak ass player, genre comme deux, <laughs> le seul gars qui a deux MVP, tu t'es fait en bowl, genre comme... C'est pour ça que comme Lamar, genre, t'es un choke totalement de son affaire, mais je pense quand même Et que... C'est pour ça qu'il qu pas... gagnera pas un Super Bowl. Il va apprendre, mm. il va apprendre de ça. Le, le, le play calling des Ravens était vraiment off. Une des meilleures rushing offense de la ligue, Gus Edwards a touché le ballon trois fois dans la game. C'est absolument inacceptable. <laughs> La game était pas euh, genre hors de portée qu'il fallait tout le temps que tu lances la balle. Mm -hmm. so, le, les Ravens ont complètement changé leur système dans le AFC Championship Game, qui fait absolument aucun sens. Ils ont fait que Lamar a trop la game away, littéralement parce qu'il était pas capable de lancer. Euh, c'était une des meilleures chances à Lamar Jackson de faire les, les Super Bowl, parce que c'était une des pires Chiefs team que Mahomes a eu. Il s'est still rendu au Super Bowl. Let him cook. Yeah. Let him cook. Moi, je pense pas que c'est une des meilleures chances. Parce oui, c'est une, de... une, une des meilleures chances. Une des meilleures chances, c'est quand tu n'as pas à jouer contre Patrick Mahomes. Ouais, quand il va se blesser, oui, si il se blesse. Maintenant, je peux, peux dire ça. Ou quelqu'un l'élimine. Moi, moi, je peux, moi, je peux je dire, dire ça, maintenant. ça maintenant. Knock on wood, je ne veux pas qu'il se blesse. Moi non plus. Comme, toi, on en a parlé la semaine passée, j'ai dit, je veux que les Ravens gagnent, mais je ne veux pas bet contre Patrick Mahomes. Sauf so, que ce n'était pas sa meilleure Facts. chance. Fax. Ta, ta meilleure chance, c'est quand tu n'as pas à jouer contre Patrick Mahomes il est inévitable il est Thanos quand tu bro regardes, <laughs> le problème avec le problème avec Josh Allen euh, mm -hmm. um, um, comment s'appelle euh, Joe Burrow pas Joe Burrow Joe a pas ce problème là um, Lamar Que mm -hmm. les gars avaient des les, tu voyais Lively faire comme un drag à 5 verges mm -hmm. euh, le petit running back hill mm -hmm. puis il lui lançait pas là il non. voulait juste faire le long jeu le long jeu comme, les prêt, bon. gars voulaient aller pour le home run ils auraient pu drive le terrain comme 10, 10 000 fois mon patinette check down Brock Oh putain, ah, lui il aurait aura checké ah, cette boule-là, check check oh. il aurait checké cette boule-là. C'est pour ça que lui, c'est pour ça que Joe Burrow c'est le seul que lui, comme quand il arrive contre home tu peux dire qu'il va faire les, les. Josh a joué une grosse game aussi contre Maroon, non mais il y a style <laughs> non mais mon problème c'est que le gars est devant toi, tu vas aller faire le stupide tonneau ou la, le plus stupide parce que tu voilà. veux le home run des fois. d'accord Drive, drive, fait, comme prends That's ton it. temps, genre. That's Puis, it. y a aucun rush. Prends qu'on te donne. Yo, la, yo, je pense que les Ravens, s'ils avaient fait comme le jouer normalement, je pense qu'ils mm -hmm. auraient pu revenir dans la game juste à coup de 3 points. Ben oui, facilement. Mm -hmm. Parce que la décision était brutée. Il aurait dû courir. Euh, oui, il aurait dû lancer le check down. That's ah, it. Aussi. Regarde, regarde euh, euh, pardon, je suis là-dessus. Au début de la première drive, elle a duré 12 minutes. Ouais. Parce qu'il a pris son temps, check down, avancer tranquillement, aucun, aucun stress. Le mort pas la même chose toute la game. Non, il, il fait des deep et des fades. First, uh, first time with the ball. Ou comme quand, dans le bike, je trouve. If il fait un shotgun. Malgré qu'il a un shotgun, il recule, il recule, il fait un five-step five drop. Anyway, tu te fais ça que t'es loin. là. Anyway, bon, on a parlé de Brock Purdy. Tu dois respecter Brock Purdy. Respect. cette semaine. Cette semaine cette, respect. Res semaine. cette semaine, cette semaine, Cette semaine, il doit respecter. Mais ça, été est devenu yeah. relevant. Non, j'ai passé une question. Parce que j'ai fait un petit switch parce qu'on okay, bon. a parlé de Brock Purdy. Je vais rentrer Brock Purdy. Bon, je respecte Brock Purdy. Il a joué une excellente game. C'est très rare que je veux dire ça, guys. Il a joué une excellente Il a pris des bonnes Niki, décisions. Mais s'il vous plaît. Il a pris des bonnes Niki, décisions. respecte-le. Il a pris des non, bonnes je décisions. Que je respecte Brock Purdy, mais okay. je ne peux pas dire qu'il a joué une excellente game. Il a joué une, game. Pour, a lui, joué une pour, game. pour son, pour son calibre. Il a joué, pour son calibre de QB. Non, non. Il a joué une très bonne game, disons. Bon, la question. Est-ce que Brock Purdy. Meilleur que Lamar Jackson. <laughs> That is the question! No. No. That is the... Hey! No. Wait, tu dis non, mais Moi, je dis oui! Tu dis non, mais Moi, je dis oui! Bro! Bro! Ça fait combien d'apparitions? Combien de fois que Lamar choque, là? Yo, yeah. il uh, a les meilleurs stats d'un QB hey. dans ses deux premières années ever. Il est genre top 3, top 5 dans toutes les, 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 les stats les plus importants d'un QB. Comme... Yo, property is him, guys. On paper, he is. Sure, ça se fait qu'il soit him. Et en plus, il t'a prouvé qu'il était capable de courir. Ça se fait. en plus. Ouais. Ça, c'est ça, ça qui m'a fait surprendre encore. Ouais. Ouais. D'abord, c'est ça qui vous fait qu'il vous ait acheté une bonne game. Il oui, y a une bonne décision, Il des euh, des y a des bonnes euh, décisions. Il a mis la team sur son back. Mais il y a tué. Pour une fois. Pour une fois. Il a mis la non, team sur son back. Pour une fois. Non, non, non. Dan Gamble a dit tiens. Non, oui, c'est aussi. Oui, oui. aussi. Attends, pas. Attends, non, non, non Vous, ça vous, vous, des, vous <laughs> dites des affaires que c'est pas ça. Il n'y a pas de mettre la, la game, mettre la game, non, sur, sur, mis back. La game non, sur. Non, back. Non, as dit, non, non. non, non. T'as dit tiens Il y a pas des throws. Il y a pas juste fait des check -downs, non, non, Parce y que. Il a dice, rolls no, dies. Il y a un run. Il a un mettre la game sur son back, c'est quand toutes les situations sont contre toi, puis tu ramènes vraiment la game. Yo, on te donne le ballon devant exact, au midfield. Exact. Non, 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 non. Ça, c'est pas comme si à chaque fois il y a dû. Yo, on l'a littéralement donné. Non, on va dire, c'est ont... chanceux le catch à IU. Absolument, ça pique. 100% le catch non, à Non, mais Ayouk ce que je veux dire, dire c'est. Quand tu regardes le... au troisième quart, après 6 minutes, c'était déjà taille. 8 minutes. 8 minutes, pas grave, mm -hmm. même chose. Ok, 17 points. Oui. Non, oui, ça, c'est oui. pas mettre la game sur son back. OK? Sur son back. Non, 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 c'est pas mettre la game sur son back. Il a bien joué, ok. Ok, oui. il a pas mis la game sur son back. Bon, est-ce que. Bon. Euh... Reprends la question. Reprends la question. Moi, je dis cette performance-là me fait douter des compétences de Lamar Jackson. Toi, non, je ne suis pas dans ça. Mais il n'est pas meilleur. Il n'est pas meilleur. Il n'est pas meilleur que Lamar Jackson. 100% il est meilleur. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est. Mais God, vas-y. On va dire il est him for real. Je vais pas savoir qu'il. Il y a pas de for real. Il est. Non non non. Je vais pas vais pas savoir qu'il est him tant que je ne le vois pas avec un casque moins boosté. Facts. Donc Lamar est meilleur que lui. Non. Oui. Parfait. Yo, Kaza, laisse-moi répondre à la question. Kaza, est-ce que Lamar est meilleur que Brock Purdy ou Brock Purdy est meilleur que Lamar? Non, je pense qu'ils sont égaux. Égaux. Mais je pense que Brock Purdy est plus mat. En tant que QB, je pense qu'ils sont égaux. Yeah. Let's put But, it this way. Go ahead. Brock Purdy jouait pour les Ravens hier. Les Ravens seraient au Super Bowl. Ouais. Hop, si, okay. si, si, si ça ne prouve pas de qui est meilleur ah, non sorry. Mais ok ok oui, Mais ok Attends 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 Mais ça j'ai dit attends, <laughs> Les attends. courses de sais, La situation comme j'ai dit Brock Brady est plus smart Mais si Brock Pretty joue Pour les Ravens de la saison Ça ne veut pas dire Qu'il fasse les playoffs Oui ils font Fax. les playoffs non, non, ils font les playoffs. Non, yo, absolument garde, pas. Garde, 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 garde. McCaffrey et d ont mis l'équipe sous son dos. <laughs> Continue, à go, je vais vous sortir les stats. Non, non, non. Efficiency, le patron. Non, le partner, non je sais, mais je peux pas. Je sais, play mais je peux pas. Je je sais, mais je pense pas qu'il fait. Les, je pense pas qu'il fait ces stats-là avec les Ravens. Non, absolument pas, bro. Okay, bro on, va, on va le mettre avec les Steelers. C'est sûr qu'il va flop si les Steelers, ils ont rien. Mais comme ça, avec les Ravens. Avec les Ravens, ils font les playoffs. Non. Et ils font le Super Bowl. Non. Cette game-là ils font le Super Bowl. Ouais. La saison. La saison ils font les playoffs. Make a scoré un touchdown, non. ...16 times in a row. Debo ses Air for one, il a smackedly he goes. Il y a des Ayuk Kittle, après un check down pass, courant pour 40 vers. Tu me parles comme si les Ravens n'ont pas de weapons. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ils n'ont pas. <laughs> non. Je te dis pas, je te dis pas ils ont les mêmes weapons, mais tu me parles comme s'ils n'ont pas de weapons. Tu comprends? J'ai pas comparé. Uh... J'ai pas comparé. Je t'ai dit, ils ont des weapons. C'est ah, beau. Okay, okay, okay. je, je, je vais te donner l'affaire. Okay. Va... ok. Les Ravens. Mais là, avec les Lions, je pense que les Lions se rendent au Super Bowl. avec Non. Regarde, mais pour les Ravens. Il est meilleur que Jared Goff. Pour les Ravens, regarde. Pour les Ravens, si tu regardes les Ravens, Goss Edwards, oui, il est bon. Il fait ses affaires. Mais pour Drive, le terrain, c'est la main qui courait le terrain. Puis à la fin, on lui donnait le like, ballon à Goss Edwards pour faire touchdown. Buck ça ne veut pas dire qu'il va drive le terrain avec le casque qu'il a. Tu sais, Qui qui drive le terrain sinon ben ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir. la L'amour, il drive au courant. Buck il ne va pas courir dire... tout ça. il va check down. Ouais, mais ça ne pas il dire. Que... Qu il faut quand même qu'il lance la, la balle, gagne. avec une ouais, team. L'affaire, c'est qu'avec avec une team qui est moins prone à faire des racks, comme des yards after des ouais, cash. je suis d'accord ouais. avec toi. Comme... Mais faut quand même il ne peut pas faire la décision. C'est quand même lui ouais, qui a la balle non, dans les mains. Il va faire la bonne décision. Je te le dis. Il va faire la bonne décision. Mais ça peut ça être pas en explosif en fait Ils ont joué une mauvaise game. Ils ont still gagné. Quand ils jouent des bonnes games, ben c'est ça qui arrive. Est-ce que Lamar avec 49ers pas Lions? Est-ce Lamar Oui, d'après moi, oui. Ils sont même pas dans tous les problèmes. Absolument. Ils sont un petit peu plus dans le problème parce que la passe à IU qui serait jamais arrivée. En fait, la passe à IU qui serait arrivée, c'est toutes les autres passes qui ne seraient pas arrivées. Bon, toutes les mid-tier pass qui seraient pas arrivées. Je vous laisse la caméra comme ça sur Amuse au God. <laughs> hein? Est-ce que, est que Kemba va perdre son emploi? <laughs> non, 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 non. non. Non, mais non, non comment non? Non, toi t'es le number one hater de tout Tu, 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 tu l'aurais renvoyé. Si t'avais tu l'aurais renvoyé. Il aime, il aime moins Brock Puddy qu'il aime Duncan. Campbell. non, ça c'est tu... lui. Là. Moi je suis dingue. La... Oui, J'ai parlé de Brock Puddy pour gagner MVP. Oui, mais toi tu détestes. Mais moi, non, moi je suis réaliste. Je ne veux pas dire que Brock Puddy est de goutte. Comme je sais dans quel système il joue. Mais euh, puis... lui on va regarder. Mais ben, oui, mais ben, oui, mais ben, oui. Ben, oui. Campbell mérite son poste il mérite tout ce qui, qui arrive à lui comme genre, tout aussi, de suite perd aussi comme ça <laughs> aussi, <il> mérite... <laughs> aussi mais tout tout comme les, les tout comme les comme tout le monde le dit il a changé la franchise mm -hmm. comme toutes ces affaires là genre c'est vrai genre comme il a amené une attitude à Detroit comme mm -hmm. je dis comme je j'aime son la façon qu'il est mais je peux pas back un gars comme ça genre c'est un game bleu. Ouais. ok il y a des gens qui font des des smart bets ok <laughs> qui font des investissements ou comme comme c'est calculé puis lui, c'est juste un gars all-in. OK? Dans cette game. Puis, ce qui m'arrive, c'est dans la saison. Tu... Au début, quand t'as commencé à faire ça, quand ta team était Twin Eleven, tu voulais que ta team apprenne à gagner. Moi, j'ai toujours été comme. Au début, je si comprends. Tu veux que ta team apprenne à gagner, go for the win. Puis, tu sais, il y a du monde, du monde qui vont dire genre, oh, mais il a toujours été comme ça. Tu veux pas dire, oh, maintenant il doit changer. Ross. Je peux comprendre <laughs> ce point-là. Tu ouais, peux comprendre. Y a, y a raison. Mais moi, je suis, moi, je suis dans l'aspect que genre, il faut que tu saches aussi comment gagner quand t'as le lead, genre. Okay. Tu arrives, tu gagnes par 14. Puis il a fait au ça. Il a fait, il gagne par 14. Il a rendu. Puis il a, il a pensé là. Il a dit Est-ce que je kick ou je kick pas Oui. Il a dit Je, je kick. <laughs> je dis, Ok. Je... Puis à ce moment-là, je regardais la game. Je dis Si il kick pas, puis il manque, je bête la money line. Mm -hmm. Straight up. J'ai dit ça. Il a kické, j'ai dit Ok. Il, il est quand même smart. Mais l'affaire, c'est que tu dois stick to this. Comme tu dois continuer. Puisque lui, qu'est-ce qu'il veut faire C'est qu'il veut envoyer le MEQ. Mais quand tu essaies d'envoyer le MKE, puis tu l'as le non, non, quand tu es le moins bon team, mmh, puis tu manques, mmh. l'autre partenaire va te fuck up. Oui. Comme, quand tu es le meilleur, comme la mort, euh, euh, comment ça s'appelle Les Chiefs, chief, ils ont fait ça aussi, un down ils sont allés pour, ils ont manqué. Oui. Les ne sont pas revenus. Non. Qui est le meilleur des le deux Patrick Mahomes. Ouais. Mais quand tu es le underdog, puis tu essaies de faire des big shots, tu as intérêt à réussir ton big shot. La deuxième fois qu'il n'y a pas qui le 3 points, je suis comme. T'as ragi. Il n'y pas non, rapport. T'as ragi. Comme. Mais le le, été ce, high, là. ce 3 points-là. Ce 3 points-là aurait causé Brock Purdy de faire un mistake. True. Cool. Comme. mais Brock Purdy dans des situations où il doit lancer pour faire un pick. Comme au first half. Ouais, comme au first half. Ouais. Mais mm -hmm. fais le choke. Qu'est-ce qui est arrivé C'est que t'as mis toute la pression sur tes joueurs à toi, genre. Qu'est-ce qui est mm -hmm. as arrivé T'as dit je vais en 4 down. T'as lancé à Craig Reynolds. Puis ça, c'est c'est pas, C'est unlucky. Drop. Mais le moment qu'il y a drop, il fait boule de neige. Tous les bad things sont arrivés l'un après l'autre à chose. Parce que tu as fait le drop, chose a pris le ballon Mais c'était même pas midfield en plus, c'était à la ligne de 28. Ils ont drive, pat, Touchdown. Comme shit. Là, c'est par 10. Tu peux revenir. Tout d'un coup, Gibbs essaie de faire un spin en plein milieu. Non, c'est un bad snap. Ok, bad snap. Ok. arrive, fanball. Il prennent le ballon. Touche-toi. c'est un jeu de taille. Yo, de, oh, non, il perd par, par 3, je pense. Ouais, on ne pas par 3. Ouais. Ouais. Il continue le drive d'après. Même malgré qu'il faisait des completions, hein, mm -hmm. il lance à Williams. Mm -hmm. Le ballon, pop Dans de les airs, le mais en, en touchant le corner, c'est revenu dans ses mains. Tu vois que les receveurs étaient en train de stresser, là. Tout le monde est en train de stresser. Mm -hmm. tout mm -hmm. stressé, ils, ils savent, ils jouent quoi les folles inaneuses. Ils peuvent mm -hmm. revenir sur eux. Et là, yo, les gars ont dit il peut faire trois points. Je suis comme, faire trois points. Il a dit mm -hmm. non. Je ne kick pas, that's how we work. Mais tes gars, ils, là, leurs leur nids sont tout en train de chic. Là. Si on est dans <laughs> un si anime, là, où yo, les gars, <laughs> les gars de, leur, de leur tête sont en train de crier en bruit, là, ils sont en train the Heads, fellas. Oui, oui, Win the Heads. <laughs> yo, tu dois, après le fumble, au début de la game, tu regardais euh, les, les, les running back, ils couraient sur les, les, oui. sur les backers. Mm -hmm. yo, après le fumble, les, les running backs se faisaient connecter à oh, The Line. Oh, like, oh Alice. À The Line, comme il n'y avait rien qui marchait. Comme. Tous les gars des Lions étaient en mode stress. Lui a dit: Ouais, mes joueurs stress, mais faut on y va pour quand même. Mm -hmm. Yo. Bon, mon, mon coach préféré, Coach Glad, m'a tout le temps dit: Si tu fais le mal, fais mais le bien. bien. <rire> 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 tout le temps. So, quand tu fais quelque chose, ça veut juste dire que quand tu fais quelque chose, peu importe si c'est bon ou mauvais, mm -hmm. fais-le à 100%. Parce que si tu es à 50-50, il -50, n'y a jamais rien de bien qui va t'arriver. Si tu fais quelque chose de mal, fais-le à 100%. Comme ça, si, si jamais quelque chose de bien arrive pendant que tu fais le mal, au moins, tu le fais à 100%. Mm -hmm. Tu ne peux pas être. À, aller, pas aller, comme. Décide-toi. Non, Donc, parce que quand tu utilises. You, you le... want to live by the gun? Uh, die by the gun. by the gun. Non, mais tu vois, moi, le four down, aller toujours en down, c'est exactement. C'est la même chose que le fucking touch-push. C'est un gimmick du jeu. Le jeu-là, tu es supposé pouvoir faire tes, ton first down, des affaires avec des trois essais. Il faut que mm -hmm. tu sois capable d'aller gagner le first down avec trois Dans essais. essais ouais. so, si aussi t'handicapes ta team en essayant de faire des first down toujours avec quatre essais. Jamais ta team est vraiment. Comme un unit qui est genre solide. vraiment solide, boosté là. Mm -hmm. So at some point, quand tu as vraiment besoin de ça, puis l'avant c'est que quand tu fais ça en saison, tu fais ça contre les bears, pas grave là. Même si tu rates, tu peux te légaler. Mais là, tu es rendu dans une game, tu es éliminé, tu peux aller au Super Bowl. C'est un choke. Puis ça, c'est un momentum. Faire un turnover comme ça, c'est pire que lancer un pic. Parce que dans la team se faisait péter, tu leur as donné tout le juice, là. Tout le juice, le momentum shift. Puis après ça, on a vu l'effet boule de neige, les gars. Comme... Plein, plein de malchance, par exemple. Plein de malchance pour mm -hmm. eux. Mais moi, je trouve que le coach, il y a genre mal géré. ça Comme c'est comme juste mal géré l'affaire. Comme, prends la game difficile pour les 49ers. Comme, mm -hmm. tu les as plutôt fait ça Continue ce que tu faisais. C'est tout. Moi, je suis le kicker, je suis comme. Le kicker devrait demander non, son, à tuer. Son, son, son kicker est trash, though. Non, ça se peut qu'il oh, soit trash. Son, quique son, quique son, fil, son field goal kicker Son est trash. Il quique non, quique jamais. Il, il, comme, il s'est fait cut multiple times durant l'année. Ah, puis oui. l remis. <laughs> puis ils l'auraient mis, ils l'auraient mis parce qu'il avait pas le choix. Non, les gars peuvent trouver un kicker à ouais, some, 100% playset. Revenons à la question. So toi, tu dis que Campbell reste ah Non, il mérite sa job là. Il a amené Lyon au, 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 presque au Super Bowl. Ben bon, oui. Casab. Il reste combien d'années dans son contrat. De, je ne sais pas, il y a combien de temps Je pense qu'il s'est renouvelé à chaque, comme, à chaque année, je pense. Chaque deux, trois ans. Non. Deux, trois ans. Il mérite un raise. Mais un raise. Oui. à lui donner encore deux saisons. Deux saisons. Le gars a amené un. Quasiment 0 and 16 team to the Super Bowl. So, 3 oui. and 11. 3 and 11. So, tu vois, yeah, il, mérite, il mérite son spot. Il a changé la philosophie à Détroit. Il ain't going nowhere. Il mérite un raise, mon gars. Moi, je donne une dernière année. Dernière année, pourquoi? That's how it goes in the game. You see? That's how it goes in pas the pas game. C'est pas comme s'il devait être... Euh, um... Il n'était pas censé aller au Super Bowl. C'est ça, il n'était pas censé aller au Super Bowl. Tu parles à un fan des Lakers Eux là, c'est champion League, ils oh, sont <laughs> Mais tu vois, en affaire que, comme faut, regard, faut qu'on regarde l'année prochaine avec les Lions, l'année prochaine, le aussi, il bouge probablement. Oui. Oui. Quelqu'un risque de le prendre comme, comme un coach. Deux running backs, puis Morgan uh, Gibbs, on, on ça on va the... rester, c'était le meilleur de mm. ever. Ouais. Mais moi, c'est le aussi. Le aussi, c'est le secret sauce dans hein, tout ça. Puis il s'en va. Si lui aussi puis là, puis, est plus là, ils ont un vieux aussi. Puis la offense c'est plus aussi nice. Et il continue à faire ses affaires de four down. Mm. So, parce que sa défense est trash. Ouais. Défait, est... Il y a un bon pas mais. C'est celui qui fait tout. C'est Hutchinson. Si t'es blessé. C'est comme si tu luses. Ti... Tu yeah. yeah. Si, yeah. yeah. si t'es <laughs> ouais, <coughs> yeah. <coughs> <Atchinson. coughs> <coughs> pas what ça blesse, c'est fini Exactement. So, Même chose pour les autres. autres. Ouais, so, peut-être que les Lions sont à ça d'être retournés en bas là. Ok. Alright. Mm. Non, voilà la question qui tue. Prédiction. Niners. Who's gonna, who's gonna win the Super Bowl? Niners. T'as pas des chiffres, t'as l'air. The Chosen dur, One. C'est dur, dur parier contre, contre, contre Pat Mahomes. The mm. Chosen One. Mais, mais je vais continuer avec ma philosophie. Je vais dire Brock Purdy, Super Bowl winner. Vous n'avez plus rien à dire après ça. Ça, c'est Mais Pourquoi bon, je ne je sais pas si c'est peu purdy comme ça? Il peut gagner. Avec cette team-là, il peut gagner. So, oui, ça ne va pas arriver parce que les Chiefs vont gagner, mais moi, je veux que les Niners mm -hmm. gagnent. Puis, mm -hmm. property, shut the mouth to everybody. Excusez-moi, mon gars. Je yeah. vais euh, aller avec Patrick Mahon. Ouais, je ne suis pas bête contre Il c'est le Je veux que le les 49ers gagnent. Et aujourd'hui, j'ai vu une affaire qui dit Travis Kelsey, sa relation avec où A ramené. 331 Merci. millions au Chief et à la NFL donc il y a de l'argent à les faire gagner parce que ma a gagné le, le stade va être rempli de petites filles américaines ouais, c'est <laughs> super beau le stade va être rempli anyways oui, bah, ah, les des filles américaines pour, pour, pour les petites rouges non. Non. 9000 good. Pensez, vous pensez ouais. elle, elle apparaît sur le terrain <laughs> les loges non je pense pas. Oh, on oh. la filme oh. oh. tout le temps on la filme tout le temps mais tu sais moi dans la NFL la plupart du temps les teams qui gagnent le Super Bowl ou qui vont au Super Bowl, c'est des équipes qui ont des QB qui sont gagnent l'MVP. Mais ça arrive de temps en temps, une équipe qui gagne avec un game manager. Pas comme si c'est jamais arrivé. Si ta ouais. team est vraiment complète et boostée, ouais. tu peux gagner sans que ton QB soit un top tier. il ouais. euh, so, y a eu les Ravens avec Joe Flacco. Oui. Euh, qui donc qui a gagné comme ça? On va dire... Kirk Warner, Eli. C'est une anomalie lui, sur sa team il n'était pas poussé comme ça. Quand les Eagles <laughs> ont gagné. Russell <laughs> Wilson quand il a commencé. <laughs> avec Nick Foles. <laughs> avec Nick Foles. <laughs> yeah, c'est vraiment bizarre aussi. C'est pas ouais. obligé d'être un super QB qui gagne là. Ben, so, au il peut gagner. Et s'il si gagne, ben, il peut parler comme il veut. Oh, il peut aller <laughs> Avec craque. tout le monde. <rire> il met un cigare, un dramme de « Il peut crier « amen. il dans la All right, that was it pour le football. Je sais que je voulais faire les questions de qui devrait gagner. Toi, t'as dit quoi? Chiefs? The Chosen One? C'est Thanos. J'allais faire, j allais, j allais faire les, les questions pour euh, qui est le uh, difficult of the year. Là, on a vu, on a vu les uh, France Bag. On procède à la semaine prochaine. Moi, ce que je voulais dire pour Patrick, mon si il gagne celle-là, c'est obligé de dire maintenant les Chiefs sont une dynastie parce qu'il y aura trois rings. Like, so. Puis, le... le... <laughs> C'est comme dans Batman quand uh, you, live, you live long enough to become the villain. Yes. Yo. Pat mon homme s'envole bro. Bah, yes. Tout le monde tout ouais, le monde est comme non je veux plus le voir comme, là. Comme, comme non. Non. Ouais. Il rappelle il est de retour bientôt ouais. là c'est sûr. alright right M -B -A. il y a eu tellement de choses guys. Mm. Il y a eu tellement de choses mm. tellement de mm. questions que je voulais parler. Je vais commencer la, des questions plus rapides. va oh, bah, quick quick quick. Mais un ado qu'on va débattre. Bon première question j'ai j'ai mis dans le groupe Instagram. J'avais dit, qu'est-ce que vous pensez du trade KD aux Lakers pour Russell, Prince, Hashimura, Crystal, 2029 Pick et 2033 Pick? Est-ce que vous pensez que c'est un bon trade à faire? Moi, je dois dire non parce que moi, je pense que KD. Uh, attends, vas-y, vas-y. Moi, je pense que KD is not. Comme si pour vrai, KD, oui, c'est un bon scoreur et tout, mais il va rien amener comme ça aux Lakers. Il nous faut un 3 point shooter aux Lakers. Kiddy n'est pas un 3 point shooter Donc, ça c'est tu refuses KD je refuse Kiddy. je refuserais Kiddy aussi je refuse Kiddy. il y a même pas une bonne énergie Les les vous refusez d'avoir Kiddy. je refuse KD si je suis les lé léqueuses j'accepterais d'avoir Kiddy. si KD. je suis n'importe quel autre team je ne veux pas Kiddy. je refuse KD I don't like Kiddy. Ouais, je... okay, c'est pas une affaire de like I don't non, like non, KD c'est une, une affaire de. d'utilité well, I don't like him Et il nous faut un 3 point shooter c'est ça qu'il nous manque tout le temps on essaie de trouver un 3 point shooter qui peut shooter des, 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 des open 3 constant il n'y en a aucun Bro, tu prends un KD. Vas tu vas voir, après le All-Star, tous les gars vont demander un buyout. Tous les trucs qu'on trouve, vont demander un buyout. Ils vont aller les Lakers. Pour free. À cause de ce KD, est là. Parce qu'ils veulent chasser un ring. Parce que si t'as KD, le bon Eddy, tu T'as ring. c'est live. Tu enlèverais tous ces gars-là. Oui. Tu as pu... Ouais, j'avoue que c'est gars là. C'est qui que as enlevé T'as rien enlevé là T'as rien enlevé. <laughs> T'as rien enlevé. Le... Ce, ce tweet... Pour rien, les sons accepter un truc comme ça, c'est tellement stupide. Je sais pas qui a. Je sais pas qui a, a créé ce. <laughs> ce ce, 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 ce tweet par là. Il jouait à NBA, k en easy mode. Yeah, même Tukey même <laughs> yeah. refuse le tweet. Tukey m'a dit T'as pas le droit de faire un truc comme ça, ça même pas de sens. Comme ce gars-là mérite deux trois soufflettes live en the spot. <laughs> Comme. Niki C'est même plus ça. Niki, it's a hell no. c'est yeah. oh, hell no. J'ai texté, j'ai texté, puis Niki a dit Oh... Tu, tu parles comme si tu le <laughs> GM des Suns. J'ai dit, non, je parle comme si je suis le GM des Lakers. Lakers. C'est oh, la finesse, le GM des Suns. Le GM des Saints, il accepte ce deal. Renvoyé. Oh, 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 yo, il renvoie la NBA au complet. Là. <laughs> Même la WNBA pourrait pas travailler pour. Kaza, <laughs> eh. tu acceptes le truc ou pas euh, En tant que GM des Lakers GM des Lakers. Non, parce que Kiddy m'a déjà montré qu'avec d'autres dynasties, il n'est pas capable de gagner. Axe. Avec les Lakers, ça va still être team comme Quoi une lottery team, Quoi mm -hmm. une playing team. Donc so tu refuses d'avoir KD faux C'est exact. Parce qu'on ne va pas gagner avec lui, regardless. Non, Mais euh, en tant que GM, tu pourrais le prendre puis le retraiter pour avoir quelque chose de plus sérieux. C'est fou comment ce trade là est trash. <laughs> C'est vraiment trash. Donc tu dis, je, dit, littéralement dit, je te donne KD faux fouille aux Lakers. Tu as te dit, pas dit non. C'est exact. C'est bon. peut OK. <laughs> Mais lui, il l'aime vraiment pas. En, allant, en continuant avec KD, est-ce que KD, il parlait récemment, il dit... je comprends pourquoi. Non. Je ne suis pas dans les conversations de great. Ouais, non. So, est-ce que vous considérez KD comme un great oh, On a tous dit non, unanime Non, ouais, non, non. non, absolument Et pas. Il Run from the Grind. That's it. So, il a no. Snake Away to a Championship. Ça, je voulais dire par Run de from de the, the Grind. Mm -hmm. Puis, puis en, en restant sur KD. Aller au Lakers va encore plus assassiner sa réputation. Oh, il a, il plus de <laughs> tu comprends. Et, mais Et, il ne va pas aller au Lakers. Non, non, mais, mais hypothétiquement oui. parlant, aller au Lakers, c'est l'équivalent de faire qu ce qu'il a fait faut, Golden qu gagne, qu mais, avec Golden State Il faut qu'il gagne au Suns avec Booker. Mais il n'y a, a déjà plus de Legacy avec ce qu'il a fait. Je pense qu'il est déjà rendu. Il n'y a pas de legacy. Non, il n'y a pas de Legacy. C'est un bon scoreur. C'est bon un Russell Westbrook. J'écoutais Shannon Sharp avec Gilbert Arenas. Gilbert Arenas a dit on parle des Gaulles, là quoi ouais, les noms qui LeBron, Michael mm -hmm. Jordan, Kobe, Jack, KD n'est pas dans, dans... Absolument pas. Même pour la jeune génération. Non. Donc, il n'est pas good. Oui, parce que, comme on t'a dit, il y a run from the grind. C'est simple it. comme ça. S'il était resté, si resté à OKC, y avait... il avait pouvait bouger. S'il avait dit que je vais aller dans une autre équipe par rapport, puis start from there, puis genre faire toute ma carrière là parce que Westbrook, c'est un concert. Oui, il aurait eu son affaire. Même s'il y aurait eu un seul ring mais il est allé de easy way. Puis après ça, il fait comme s'il si est super boosté. Il a changé d'équipe pour faire un super team. L'affaire a bloqué en donne six mois. Mm. Il doit aller dans un autre team. Comme, non. là ça a un autre super team. Ouais, quand tu fais quand... ça que tu fais là. Non. On là. C'est bon. Ok. Euh, Sneak. J'ai rangé ces questions-là ce matin. Joel Bid. Mm. Euh, the Duck. Yes, the Doc Master. Mm -hmm. <laughs> the fucking Doc Master. Oh my God. Il a scarré 70 points récemment. J'allais mettre ça dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les questions pour dire, oh my goodness. On avait parlé qu'il était en <laughs> terre. But, voilà. So, finalement, c'était pas un vrai 70 points pour moi parce que le patiné, il doc contre les Denver Nuggets. Mais il a 70 points, <laughs> 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 Non. 70 points a été, a été points a été retiré. 70 points a été retiré. Parce que, tu sais, tu donnes du respect. Ah, oh, parce que je veux que les Nuggets, la game d'après... Oui, oui, oui. Y a il n'a pas, pas joué, il n'a pas, pas joué. 15 minutes avant la game commence. <laughs> tu ouais, comprends ce voilà. que je veux dire? Fais ce ça pour, bon, pour ah, moi, c'est pourquoi? Que ça fait plus de 5 ans qu'il doc les Nuggets. Ah, de, depuis 2019. Ouais, ah, quand, il va, quand il doit aller jouer à Denver, à Denver, à Denver oh. il ouais. joue pas. So, pourquoi? C'est ma question. Pussywall. T'as dit possible. Voilà. <laughs> Avec cette réponse-là. Kaza? Il ne veut pas se remettre dans deux spots. Je, je pense que c'est la semaine passée il y a deux semaines, tu as demandé s'il si était Qu'est-ce qu que j'ai répondu? Hell no. Exactement. C'est une question d'attitude aussi. Si t'es un des greats, toi, qu'est-ce que les greats font? Quand ils voient un autre alpha, ils veulent aller jouer. Ils ne veulent pas dog parce qu'ils veulent prouver qu'ils sont le meilleur à un autre à qui on les compare. Mm -hmm. Embiid lui est comme, pas ah, vu considérer. Non, minutes Embiid, non, Embiid c'est pas ça qu'il fait. Chez lui, chez lui. C'est exactement. Embiid ce qu'il fait c'est quand il joue à Philly, il joue la game, il check de business. Et là, il sait qu'il est genre 1-0. -oh. Mm -hmm. Et là, il veut pas prendre une revenge C'est ça qui arrive avec MB. Souvent, si tu regardes, il a joué la première game. Parce qu'il joue deux fois contre dans la saison. Il va jouer une des deux games. La game qui est à home, la game qui est away. S'il a dérangé la première game, il veut pas prendre un... un bâton. Un bâton. Donc, so, il fait comme... Hmm. Je sais, moi, quand il est dans le match-up... Je joue pas le prochain. C'est comme, comme un, un boxeur qui gagne le championnat mm -hmm. puis va dire dit « Non, ah, je ne donne pas ton match Ou « Je ne fight plus genre, ouais, est ça, euh... juste pour, les, pour les deux prochaines années. <laughs> » Ou où... quelqu'un qui gagne au dice, puis il prend le coup et il a fini avec toi. Euh, c'est euh... la, la next première next... game que vous avez joué. ça, c'est un C'est ça, ça, ça qui fait live. By the way, il manque… Il, il peut juste rester un autre six games jusqu'au reste de la saison. <laughs> il est douce. Sinon, il n'est pas eligible pour le MVP. Il est douce puis il c'est ça son MVP, lui. Comme ça. Non, Probablement, est ça, il va se rater. Uh, il, y a, il, y a, il y a quoi pour en avoir un hein? il l'a eu maintenant je sais pas s'en en parlant de euh, alpha de personne qui détruit la ligue j'ai mis la question en dernier dans l'année derniers, mais je vais la remettre au début Luca, mmh. Luca. Bah, tout le monde est seul ligue live yo bro eu beaucoup so deux questions dans ces questions là première question c'est est-ce que Luca est le meilleur pointeur de la NBA cette saison comme maintenant, là, comme dans la, ben, sinon, dans la NBA en général. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur scoreur? Avant, on avait beaucoup de débats entre KD, right? KD, Embiid, et même KD, Embiid, euh, pas Booker, Booker et euh, Joker. Mais là, Luca avait essayé de faire là. Moi, je pense que Luca présentement, même Jammerant était dans la conversation avant, moi, je pense que Luca est le meilleur scoreur de la NBA présentement. C'est mon opinion. Il, le a fait, il a fait tous ces stats-là. Quand Kobe a fait 81, Kobe avait 13 shots de plus. Qu'est-ce que Donchich a fait à 73. Voilà. C'est so... la game que Kaby était pas là. Euh, je sais pas. C'est La dernière game récemment. C'est la game où Kaby. n'était pas là. Ouais. Moi c'est. Parce que la fin c'est que maintenant il y a tellement de sous-teams, mm. beaucoup de teams qui jouent avec d'autres stars, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui si tu les mets avec, juste eux avec eux seuls, il peut faire des stats comme ça. S'ils si disent je vais prendre toutes les shots. Euh, je pense pas que genre. Je pense pas que c'est le meilleur scoreur. Il est dans les top scoreurs, mais je pense pas que c'est le meilleur scoreur. Mm. Euh. Embiid. ouais. Ah oh, mais cette saison c'est pas pas pour, ah, pas pour présent, toi pr pr présentement, présentement. Oui, mais pour toi, Embiid? Non non non. non da, da, da dans les deux, dans les deux. Non pas pour moi, pas pour non, moi. Non non, c'est sûr mais même si que MBD a à plus de points, la manière que Lucas le fait, c'est plus difficile. C'est plus difficile que la manière que MBD le fait, selon moi. Ouais. Oui, il faut, faut regarder ça aussi. Embiid, c'est un big guy in the paint, un big guy in the paint qui a mini flo, un mini jump shot. Luca, il, 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 il pas Luka le te fait n'importe comment. Il fait ça. des fade-aways, des, des step-back threes, des floaters, des, des, floater, des, des crash-shoots, il fait tout. Vous yeah, dites aussi que des fois, c'est juste avec des tubis aussi. Ça. Il fait 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. 3 points. Ouais. Donc, la game, il n'y avait pas 35 points, WAF. Ah oui. Alors, euh, parce qu'il. Ben, il shootait <laughs> juste des 3 dans leur figuier. Tu sais, ça balance. Il est dans, pour de vrai, il est dans le top. Il est dans le top des meilleurs scorers. C'est pas le numéro 1, selon toi. Hmm. Mais je ne sais pas si il est le numéro 1, pour de vrai. Armand, ah, bon, on disait que c'était dit le meilleur scoreur de la ligue. Même si qui... Parce qu'il était le most efficient. Exactement. Là, yes. là Lui, c'est qu mon. Qu'est-ce qu'il fait plus <laughs> comme là, lui, là, ça, lui. fait plus Live, c'est pas lui. Mais dis-moi, j'ai envie de dire, genre, tu sais, je pourrais dire, j'ai envie de dire Embiid, mais des fois, j'ai envie de dire Jokic. C'est juste que Jokic, il ne cherche pas à scorer, mais. Comme en plus, on l'a vu, là. Ouais, il bon, cherche à scorer. Ouais, il cherche à scorer, là. Ouh. Tu ne l'arrêtes pas. Comme. Je veux Djokic Jokic est dans les meilleurs scoreurs mais il ne pas de scorer. Donc. Dancic ouais. est, est là, il est, est facilement dans, dans le top 3. Mais je ne sais pas si est le meilleur. Mais la fin, c'est que n'importe qui peut faire ça. À des souhaits, oui. T'as vu combien de gars ont eu 70 points cette semaine? Pounds, Embiid, Dancic. T'as pas une oui. question? Boucou a fait 60, Kirk. Il y a eu 10 joueurs dans toute l'histoire de, euh, de l'NBA qui ont fait 70. 4 de ces joueurs-là sont venus. Ouais, Quand il dit... Presque n'importe qui peut le faire, il a raison. Ok, mais là, c'est ma, ma deuxième question. Est-ce qu'il n'y a plus de défense ou les gars sont juste meilleurs au basket? Les gars sont juste meilleurs au basket. Les gars sont meilleurs, le PC est plus quick, il y a plus de shots dans une game, il y a plus de threes. Il y a plus de threes. Et peut jouer la défense moins que qu'à l'époque. 100%. Et les gars, l'autre team ne fait pas d'ajustement. Comme il voit le gars en train de les cook, il le laisse faire cook. Il n'y a pas de. Il n'y a, oh bon, a pas de double team, force je, la balle out ses play. mains, non, ils sont comme... Puis aussi, les gars, tu ne peux pas les empêcher tant d'aller où ils veulent aller, mais les coachs, en saison régulière, ils ne vont pas faire un game plan pour shutdown le gars qui, qui est en train de les sauter. Pour les laisser dont tu que tu fais ça en playoff contre une team, ok score, parce qu'en playoff, ils vont actually essayer de t'arrêter. Mais en saison... Le gars voit déjà qu'il perd par parfum, mmh. il est comme. Mais la gueule est finie. <laughs> <laughs> C'est le faire ce qu'il veut faire, là. On s'en fout. Moi, moi, en saison, vous devriez aller type, s'en foutent un peu. Personnellement, le meilleur scoreur dans euh, la saison, il chai personnellement. Oh, cherche un très good shout. Ouais. Okay. Moi, personnellement, cherche un très good shout. Je n'ai pas pensé à ça. Ok, est number one, C'est vrai. Non, mais ça, si tu regardes dans la ligue, tu peux prendre genre. Peux prendre, un tu cas, peux prendre une, ça, Tu peux prendre une ouais. dizaine de joueurs. Et ouais, ouais. tu dis, dans la même situation de c'est qui tu voudrais qu'il shoot Il pourrait faire ça. Comme si tu leur dis, spam les shots, mm. il va faire ça. Il peut ça. Okay. So, les gars sont juste meilleurs. Il être, les gars sont juste meilleurs, c'est pas la défense. Puis t'as dit, ça juste pas. Ok, parfait. Euh, Terry Rosier au hit pour Cal Lowry. So Terry Rosier vient des Charles Arnett, New York Charles Arnett, qui pis. Qui, qui, Yeah, les dernières saisons il jouait normalement très normal il avait 19 points genre par game c'est bon 5-6 anyway là il y a trade pour Calorie qui est un vétéran qui a gagné un rim, ring aux Raptors est-ce que c'est un bon trade moi je dis que oui pourquoi parce que je pense que ce qui manque au Hornet, c'est la discipline que Calorie va amener il y a un peu de, de OG de tu ne peut pas qu veut que je joue et ouais. non non juste, il, il amène une mentalité de gagne une mentalité de, de discipline ça se peut qu'il puis se faire buy le wave, out, drop. ouais, ouais, wave, oh, il, ouais, Ah ouais! pour ça, tu vois, il va aller que le jour. Wow, c'est <laughs> fucked up! Et puis, mon autre chose, c'est Rosie, pourquoi l'amener au Heat? C'est à cause que Butler doesn't give a fuck about the season. Butler don't care about the season. Les Heat ont compris. On dit, tu sais quoi, on va t'amener un gars, euh, bam. puis on va t'amener un gars qui est là, qui veut jouer. Pendant que Butler fait ses Magic Rigi, joue à moitié, 50%. On va arriver aux playoffs, on va laisser le Cook pour l'instant, Rosie Cook avec Euro Pibat. Ça soit je pense que un bon trade. Donc, je pense c'est un bon trade pour euh, les Miami Heat parce que comment dire, Larry, euh, Larry pour de vrai il Il ne fait rien. A, a shell of what he was, donc mm -hmm. so, il ne servait à rien pour Comme il prend des charges, il shoot quelques trois points, mais comme Larry il, il, il peut, il peut penser, il peut retarder. Et puis même quand il, à Toronto, quand après qu'il est, est parti c'est déjà dead. Ouais. Um, so, Roger, c'est un gars qui a, comme il a un pop, il a de l'énergie, mm -hmm. c'est un bon scoreur. Um, il peut, faire, peut être un playmaker. Comme il ajoute un, un autre scoreur à la team, so, c'est un bon trade, malgré que les Hitch jouent super, super mal. Je dis, bah, le joue pas. Ouais. Bah, je le joue pas. C'est que half, ils vont switch un gear. Est-ce qu'ils est qu vont pouvoir comme, faire les playoffs? Je sais pas, mais c'est leur stratégie. Pour les 1 je pense que c'est vraiment une affaire de cap space ou. Je pense, je pense pas qu'ils veulent l'or. je pense même, c'est juste ok. On, on va avoir juste euh, la mélo. La mélo, c'est notre seul guard On va essayer de mettre Brendan Miller le rookie comme shooting guard. Comme ils essaient de réarranger leur team, mais Laurie est pas dans leur plan. Oui, euh... Pour le bench, un grand non, euh... Je m'attends ouais, à ce que l'or soit pas là recule. après <rire> le, le <rire> ressort. Là après, le trade deadline. L'or est gone. Hein? D'accord, je, je trouve c'est un bon trade pour les hits. J'aimais beaucoup Terry Rozier quand il était à Boston. Je n'ai pas suivi à Charlotte, honnêtement, parce que je sais que c'est une équipe Puis, comme le gars l'a dit, Carl il a été tué à Charlotte. Moi, je pense qu'ils vont le garder pour le mentor, de la même manière que Derrick Rose allait pour mentor les gars à Memphis. Moi, je vois Miami plus gagnant, par contre. Facts. Fenty euh, 4,25$ pour 1$, le Heat les, les ont reçu le 1$, dollar. ils ont su le meilleur joueur, mais that's it, c'est comme... <laughs> non, comme quand je dis 4,25$ pour 1$, c'est comme, pas, pas la même value, mais comme, <laughs> le Heat ont reçu qu ce qu'il y avait de besoin, ouais. puis les Hornets, je pense que c'est la même chose que Niki, ils vont le wave puis that's it, that's all, ça va être, euh, pour avoir plus de cap space l'année prochaine. Yep. Euh, bon, on va aller avec les New York Knicks. Bon, là, j'y vais un reportage. que, <laughs> Même si les Knicks gagnent, ça, ça va bien, ça va bien. Euh, les gens ont dit que John Brunson et Randall ne sont pas des stars à New York. Ils ne sont pas considérés comme des stars, comme, mettons, ou, euh, uh, ou, <fut> oh, comme ces gars-là, ils ne sont pas considérés comme des stars. Puis je vais demander à notre. À, le, le fan de New York, des Knicks, Casa, pourquoi tu penses que les gens et les médias disent ça, les deux gars Je sais pourquoi ils disent pour Randall. Okay. Parce qu'il y a eu beaucoup de blunders en playoff. Okay. Randall se faisait cool de la même manière que euh, Barrett se faisait cool, surtout. Mm -hmm. Mais je ne suis pas d'accord avec Bronson. Bronson, même le, les gens sont pas fâchés, soit pas All-Star starter, mais ils aimé ça, là. Moi, j'ai vu un outrage. J'étais fier de voir à la place de Bronson. Oh, mais ah ouais? Ouais. ouais, mais est-ce que tu l'aurais mis star 2? Oui, il devait être star 2. Euh, moi, Lilleux devraient même pas faire le star low qui la façon il joue. Bon, donc mm. je peux comprendre dans l'aspect. Il n'y a pas le même star power que Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, mm. même out of the league, comme les gens parlent encore de lui, mm. c'est que... ça ma question. Pourquoi les gars sont pas. Pourquoi il n'y a pas été hors-store Pourquoi les gars votent pas pour eux Pourquoi C'est quoi le problème Les fans votent Oui, mais même nous, même moi quand j'y pense, je vois la question, je suis comme, ou vrai, Ben d'autres, puis plein de je les regarde pas comme ça. Ou qui vous a fait comparer, mais c'est vrai Ou qui vous Je pense plus à Ja. Je pense plus à okay. les ouais, tu penses pense à... plus à Ségalé, Lamello, je pense plus à Ronson, okay. Peewee. Oui. Okay. Oui. oui, parce que c'est des vétérans, c'est des gars qui comme s'ils ont, des... ont déjà ah, une déjà, réputation. déjà une réputation, ils sont plus jeunes. Non, moi je vais te donner, Bauderet, j'ai une réponse. Okay. Pour, vais... pour, pour Randall, pas que ce gars-là, c'est pas un lui, pas star. Lui, c'est pas un star, c'est pas, 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 pas un dog, comme on l'a vu en playoff, Crumble, comme lui, on sait déjà pourquoi personne ne l'aime. Depuis Atlanta, là depuis ce qu'il y a le triangle, les affaires, ce gars-là... C'est ok? <laughs> même Chang, on, on parle de <laughs> lui. Bronson, lui, lui c'est ouais. pas une star parce qu'il look like a regular guy. That's ah. it. Il okay. looks like a regular guy. Il a joué à Dallas. C'est pas, un, 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 pas comme s'il si s'est fait draft from Peak avec des hype. Mm -hmm. Il est sorti out of nowhere. Il a grind son temps à Dallas. Puis tellement qu'il n'est pas considéré comme une star, même quand il jouait super bien avec Donchich. Là, là, c'est dit, on n'a pas un bon joueur, ils l'ont trade. Ils l'ont trade. Même pas, ils l'ont trade. Ils l'ont laissé partir free. Le denier, il avait le de points. C'est ça. Le gars a carry pendant que Donchich j'étais pas là en playoffs. Ils ont dit, non, attends, on ne veut pas. Après ça, ils se sont saisis que le gars a trade bon à New York. Là, à New York, ici, quand tu regardes son game, il n'est pas athlétique, soyez donc pas. Non. Il n'est pas un shooter de 3 points. Non. Il n'est pas quick. Non. Ce pas un elite ball handler. Non. Mais c'est. quand même écoute pas comme, comme ça genre il, comme tous ses points sont grimy. genre comme il rentre dans, sur toi il fait un petit contact des poches il n'y a rien de wow quand tu le vois sur so, les gens, c'est so, comme il est pas box office puis le fait qu'il est pas box office star comme les autres point guards comme lui a juste à shooter un deep three puis il, 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 il gagne yeah. des votes <laughs> là so, quand tu regardes les autres points guards il fait un dame time Ouais, un dame time il y, y, y a rien comme il n'y a rien genre il a rien qui fait que Bronson a l'air d'une star mais c'est un dog, comme moi je lui donne là-dessus, il est plus un dog que beaucoup d'autres joueurs. Même Jeremy Lane n'était plus hors ouais, que Ouais, ça, ça j'allais dire te dire. Il n'y a pas le... Il n'y a rien, il n'y a rien pour lui, il y a, y a comme... Non, en plus comme il est un petit peu gros genre, il est un peu comme... Il y un peu chubby il ouais, un oui, peu chubby oui. genre, il n'y a oui. vraiment rien pour lui là. Yeah. vas-y. Euh, la seule chose j'allais dire c'est qu'ils ont... Encore rien prouvé, c'est pour ça que je ne les mettrai pas All-Star cette année. Oui. Euh, c'est leur première année où ils sont « relevant ». Non. Oui. L'année passée, puis l'autre année d'avant, les Knicks n'étaient pas « relevant ». I'm Vous sorry. Ils ont fait des playoffs. Ils ont dénommé les plus « round ». Pas grave. Par, par qui Qui Les Knicks ont les plus « round » par qui oh, Je sais pas. Les Cleveland ah, ah oui, On a éliminé Cleveland. Vous êtes fric. C'est vrai, vrai. Ils ont éliminé Cleveland. Parce que Mitchell Robinson tu sais, a massacré un moblet et la Non, vrai. les gars, c'était Mille Events. est arrivé. Il a changé la franchise in a way. Comme il y a, a des expectations pour New York à cause de Benson. Mais les gens. C'est le premier All-Star. C'est pas un All-Star. Non, il est All-Star. Les gens ne respectent pas pour être All-Star. De la même manière que les gens n'ont pas respecté Dim pendant tellement d'années ils respectent encore pas des... mais parce que là bas au moins je peux dire... non. non non je peux dire il y avait des meilleurs guards il y avait des meilleurs guards dans l'Ouest dans, dans l'Ouest ouais, là ils ont pas passé il y avait personne de meilleur comme Dame a passé parce qu'il y a personne pas parce qu'il était meilleur il... il... c'est juste Dame time oh Dame c'est le plus connu des gars les gens aiment pas Young oh. donc, ils ont oh. ça, ils ont vu Bronson ils ont dit qu'il jouait à l'idée, il ne fait rien. Et un petit gros. Ils ont dit, OK, ben, s'il n'y a pas d'autres il gars, ils ont dit ne voulaient pas mettre Donovan Mitchell. Ils ont dit, OK, ben, on va mettre les leurs. C'est comme ça qu'il est arrivé. OK. L'autre question. Janice, Bucks, you know what happened. Oh, you know what happened. Je lui donne un autre mot. Doc Rivers. La plus grosse fraude de la NBA en tant que coach, selon moi. Donc, Dark Rivers est connu pour avoir bloqué le plus de 3-1 lead en playoff euh, de tous les temps. Euh, on a renvoyé le coach des Bucks en mid-season pour le remplacer par Dark Rivers. Quand la saison allait très très bien, ils sont en top 3, si je me rappelle bien. Euh, premièrement, est-ce que c'est la faute à Janice? Et deuxièmement, ou la faute à Lillard, parce que je vais mettre... Oui. Ou les gens croient vraiment que Dark Rivers a gagné un ring avec les Bucks. Je veux qu'on dit fire the coach. Non, mais je, je veux qu'on dise, c'est sa team, oui. c'est gars, vas On va faire. Oh, Vas-y. Il y a eu Dal Report où mm -hmm. euh, l'ancien le coach, le, coach a dit que le frère à Janice, comme il voulait le cut. Un Ouais, il voulait le cut. <laughs> le gars était sont... trash, il ne méritait pas d'être dans la team, blablabla. Ça a créé un gros, gros mauvais vibe avec Janice. Mm -hmm. Puis. Yo, Tu prends ton star player avant ton coach. Ils ont kick out le coach. Damn. Damn shame. Le, le Ouh, coach avait raison, Ouais, 100% que le coach avait raison. Mais, yo, tu vas pas te départir de Janice. Tu vas te départir de ton coach. Là, l'acquisition ou le signing de Doc Rivers, c'est là que ça a tout chamboulé. <laughs> ça, ça a tout chamboulé. Le, le, comment tu vas sign un des coachs qui a le pire résumé playoff time pour. Peut-être qu'on va gagner un chip, ça fait. Ça ne fait pas de no sens. Donc, so, Dark Rivers ou Box, je suis désolé. J'avais des hopes. Là, j'ai plus de hopes. Box to the mud. Donc, qui veut commencer avec vous pour le rent? That's a oh, moi, moi j'ai Durant mon introduction, c'était expliqué que c'était la pire erreur que les Bucks ont fait de leur carrière. À cause de ça, euh, Lola va partir dans quelques. Un an, ou l'année prochaine. L'année <laughs> prochaine, Lola va partir à cause de ça. Euh, je pense qu'après ça, Tanassis. On va, faire, on va commencer à donner des ultimatums. Euh, des Ce soir, ça bouge, ou tu bouges avec ton frère, on va, on va juste rebuild. que toi un, 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 un ring. On va trade Merci. les deux, vous êtes dans deux, deux. <rire> Ciao. <rire> deal. Ciao les deux. Moi je vous dis, la, ça c'était la pente descendante des box Yep. Yeah. Je trouve qu'ils ont remplacé un average coach pour un autre. Euh... Mais la raison pour laquelle Adrian Payne s'est fait mettre dehors, parce que like Griffin, uh, Griffin, Eddie scheme était garbage. On la défense de dépense. Milwaukee est dans les bas fonds de la NBA. Mm -hmm. et comme Misogod l'a dit, il y a eu une mutinerie. Les joueurs se sont rencontrés dans le locker room et puis ils ont dit, il y a oui. plusieurs fois où il y a des play calls que le coach a fait, Johnny a juste ignoré et puis il a décidé de faire ce qu'il voulait. Les Ludes ne le filaient pas. Janis ne le filait pas. Et puis Lopez le filait. Pas. Ce coach-là était en borrowed time. Et même le management voyait ça. So, c'est inévitable. La seule raison pour laquelle les Bucks, comme le monde Bucks, c'est parce qu'ils sont encore dans le top du East. Mm -hmm. Malgré que leur défense est garbage. Et ça, c'est à cause de tes star players. Gauche. Euh, euh, Dark River, c'est un financier aussi. Oui. <rire> <rire> um, comme, comme euh, Casa a dit, euh, tout, ce que, tout ce que Casa a dit pour euh, les, les box, c'est vrai. Euh, le a dit qu'il n'aime même pas le offensive scheme, la façon qu'il de take ses shots avec euh, la team. Puis quand tu regardes euh, les box, tu es à Lopez qui est un méga shot blocker, Janis qui est un formidable defensive player of the year. Comment la défense est aussi trash? Malgré que. Euh, Lilleux, c'est un revolving door, là, comme tu, tu passes. Hey, il, exactement. Hey. Non, comme, mais, comme tu es supposé pouvoir masquer les, les problèmes de Lilleux en défense avec les autres gars que tu dans la team. Il euh, y a l'affaire de. Il a dit que le coach, le frère de Giannis c'était une frère. Mais, j'avoue que quand tu essaies d'arranger ta team, tu as, as un roster spot en moins. Des fois, ça doit être frustrant. Mais, ouais. ok. So, Est-ce qu'il mérite de se faire foutre dehors? Probablement pas. Oh, probablement pas. Parce que la team était pas trash, et gagnait quand même leur game. Est-ce que Doc Rivers devait sure. signer... Est-ce que ça devait être le premier nom of the board? Moi, je non Hell no! Hell no! <laughs> Hell no. Vous j'ai appris n'importe qui, parce qu'on sait déjà c'est quoi l'équation à la fin. Oui. Ça va être second round, 3-1, perd mm. la série. <laughs> well, that's, that's it. it. Okay. That's it. 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 Si ça l'arrive for real, it's, it's on the clock. Yo! Ça, yeah. Si ça l'arrive for real, comme Doc Rivers At this point, c'est, c'est fax. Okay. <laughs> ça arrive <laughs> trop souvent. C'est typique C'est Doc. Comme, mettre ton chalkboard <laughs> dans Donc, la poubelle, puis arrête de coach. Parce que Doc, là, pour qu'il gagne, il a besoin de, une Comme une combinaison, genre comme deux, comme quatre. Il y a besoin de beaucoup d'aller-femmes dans de la même équipe. Le gars a eu l'Obsidian, oui. So, il, y a, il y a eu euh, les euh, 76ers, mm -hmm. puis c'est deux Boston. Boston, Boston. Boston okay. a gagné avec Boston. Il a gagné juste avec Boston. Il a perdu aussi avec Boston aussi, ouais. aussi. Ah, <laughs> ouais. parce qu'il y avait genre littéralement genre, trois allers trois top il, yeah. sa carrière uh, elle va faire ça ah, oui uh -oh. c'est exactement exactement si, si c'est pas de ça donc il veut y a rien ouais. parce que t'es allé à Clippers t'as rien foutu euh, à Seven et Sixers t'as encore rien foutu donc so, euh, non comme je pense pas avec cette équipe là il va encore juste rien faire avec des équipes c'est une équipe que je pense qu'il a plus de limitations en plus que l'équipe qu'il y avait avec Seven Sixers je trouve il y a plus de dog que ça pas dog comme, je pense qu'il y a plus de dogs à, à, à Milwaukee, mais son équipe était plus polyvalente. Genre. Là, ton équipe doit fonctionner dans un. Euh, comme Janice, tu ne peux pas te foutre des trois points. Là. Comme tu as des teams. Donc, Cruiseux, ce n'est pas un bon coach pour, en tant que scheme. Là. So, les gens peuvent attaquer les, les, les box plus facilement qu'ils peuvent attaquer si vous êtes Sixers. Yeah. So, non, moi, je m'attends à, à absolument rien. De Il y a quand même top. une meilleure team qu'il y avait aux Sixers, d'après moi. Avec Janice, Drew. Non, Drew est plus là. Middleton, my bad. Les autres rien. C'est chiant. Yeah, je non, trouve qu'il y a quand même une meilleure je team dire, que... Je, en... non, je, je trouve, trouve qu'il y a quand même, même une meilleure ou... team que MVP non. Arden. Right, non, right, non, right, non. Right, no, right. On va à la next question. MB Arden, Maxi, what's better? Okay, next question. All right. Uh, J'ai mis une liste de, de gens qui ont dit que c'était des stars. On parle... Uh, they report in the score. Les deux ont mis la même liste. Je voulais, les, je voulais discuter avec vous lesquels que vous considérez comme des stars ou pas. Alors, on va aller vite. Oui, non, non, oui, non, non. Uh, Scotty Barnes. Est-ce que c'est un... Une star. À Toronto, that's it. Non. Oui. Juste à Toronto. Même Ouh. pas à Toronto. Non, pas encore. C'est pas encore un star, désolé. Comme, es, si t'es capable d'être… Euh, Numéro 1, toujours france, constant. Constant, t'es pas une star. Ouais, okay. moi je te parle pas dans C'est pas une star de la okay. ligue, mais c'est une star à, à Toronto. Toronto. Non, perfect. mais c'est sûr que dans la, ta ville, tu t'es fait dire à Freshman Peak t'es une star. Soon. Okay. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas une star, tout court. Non, c'est pas une star. Yep, okay. uh, Derek White, des uh, Boston Celtics. Une des plus grosses fraudes qu'on je de voir sur le papier. J'ai crié, la crié en moi. J'ai fait Derek White. Derek non. De Boston non. Celtics, absolument fucking pas. C'est pas une star, mais il... arrête. Attends, attends. Dépend des gars. Non, non. Laisse-moi finir ce que j'allais dire. Il joue comme, il joue comme tellement bien. Ah oui. Cette saison. Attends, <laughs> en termes de starter, même l'année passée, il joue quand même bien, mais genre que il All donne star. des stats qui. Je sais pas qu'il devrait faire le All Star, mais il y a un case comme s'il fallait prendre. Il y avait des injuries qui auraient pu être un All Star. Je comprends. Mais c'est pas une star. Uh, al Sengun Senghoun, des Rockets oui. oui. Oh, non. Star. En tant que center ou power forward, oui. Il y a un, deux mais il n'y a pas encore une star. Yep. Wembyama non. Oui. Bah, il est déjà une star, oui. C'était star en arrivant. Non. <laughs> Je sais qu'il est un star, mais il a rien fait encore. ouais mais on est dit est-ce est qu'il oui, oui, est, oui, est star? Oui, c'est un star. Bon, on n'y a rien fait encore et puis il va rentrer dans la ligue en étant une star. Euh, en arrivant mm. dans la ligue, il fait des. Comme, des il t'a déjà checké une game 40 points. Sengun ne fait pas très. Sengun t'a fait des grosses stats. Though. Non, il fait des, des grosses stats. C'est sa ouais. troisième saison dans la ligue. Mm. Sengun, Sengun. Il est ah, on the come up. Next, next year, donc, il devrait se affirmer next year. Uh, Chet Olgrim, oui. Non. Non, non. oui. Chet, non. Exactly. 100%. Définitement. Les gars, c'est une réalité, c'est une c'est si non, un c'est un vrai lourd. pas non, qui va demander qui est On ne pas... <laughs> parle pas des, des J'ai pas dit qu'il ne peut pas devenir une star mais live. live, il joue clairement comme Second fiddle même des le, fois des le, fois le, third, so, so, Comme faut qu'il prenne un peu plus de faut qu'il un up plus. So, euh, non, c'est C'est un temps. Ah, c est, c est ton rookie. Yeah. Paolo Benchero. Oui. Non. On defense, moi. Ouais. Non. On on defense. Pas encore. Pas encore. Ouais, non. Il est plus proche que Derek White. Oui, oui, oui. oui, oui. oui mais Derek White dans non, la non, liste. Non, <laughs> non, <laughs> dit non, non. <laughs> non non. Non, est proche. Non, non. respecté. J'ai dit, je sais pourquoi il l'a mis là-dessus cette saison. C'est ça, j'ai dit. Derek White c'est vraiment pas un star. C'est un, c'est un bon, c'est un bon. Star, star, Star. 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 non, Star. Star ah, oui. que les gens respectent oui, pas quoi? Oui, voilà. oui. C'est une star. C'est oui. <laughs> un <Allez. rire> Il, il, joue, il, il, dit, il, joue, il <laughs> joue à New York, donc, ça doit être une star. Vu mm, qu'il joue à New York, c'est ouais. dans un gros market. Ouais. Non, mais il n'y a, a pas le cachet pour New York, mais c'est une star. Vu qu'il qu est dans un gros market puis il joue bien, c'est une star. Taris, Taris Maxi. Oui. 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 Ouais. Parfait. All right. That was it for that. La première question, j'avais parlé de 4 euh, des euh, uh, Timberwolves qui a, lui a fait aussi 62 points. Mm. Et la raison pour laquelle c'est parce que tous les gars donnaient le ballon à cause du record à NB de 1970 sur la game d'après. Ils essayé de faire. Il, 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 ouais, elle forçait le ballon. Et moi, je voulais juste savoir si vous étiez d'accord avec ça, avec ce mindset-là, que à cause que c'est le gars le plus proche pour faire ces points-là, on va le feed le ballon pour qu'on oui. toutes les shots. C'est ce mindset qu'on devrait avoir à la NBA. Ils ont aussi le perdu à cause de ça. C'est à cause de ça qu'ils ont perdu. Mais c'est une vraie saison game. Let him cook. Let him cook. Ah non. À un moment, donné, je suis venu voir d'autres joueurs jouer. Je suis venu voir un patinet. Non, tu es, es venu voir des... des tu es venu voir des... Comment dire, des... J'ai pas oublié le mot, mais tu vois comme une, une game phénoménale. So, tu es là et tu te dis, yo, tu es dans la fosse. J'ai vu Carl Anthony Towns faire 62 points. Ouais, ça m'aurait pas dérangé si c'était Ant-Man. Moi aussi. ant il serait plus Si c'était ant j'aurais N'importe qui que je vois qui cook tout le monde, c'est nice. Derrick White cook tout le monde? Wouh! J'ai vu Derrick White faire 60 points! C'est fou, par ça! Si Derrick White fait 60, c'est fou. Si tu vois Derrick White faire 60 points, t'es comme... yo T'es évoquable. Tu n'enverrages plus jamais ça, mon gars. À part ça, un gars qui a pas rapport qui cook, c'est encore plus impressionnant. Bah, ouais. Ben oui, parce que tu adores tellement pas passé, chaque fois qu'il marque, tu es comme shit! C'est pour ça que le corps devient fou. Une autre trois points! Comme j'ai Millen, il fait un coup la première mmh, fois. C'est vrai. Okay. vrai. Ok. tu acceptes le mindset. t'acceptes ce mindset. En saison. En saison, ok. Non, je refuse ça. Merci. Parce que moi, peu importe si t'es un star player ou pas, si t'es dans le freezer, de passer la balle à celui qui a un hot head. Surtout si ça finit en défaite, est encore plus fâché. Alright. Fenty? Oui, j'accepte ça, mais il faut juste que ça soit ton star player qu'il le fasse, pas. c'est? le deuxième star. Mais la fin, c'est que quand un gars est hot, ok, ce arrive, c'est que. Il va genre out tous ses autres joueurs parce que tout le monde le regarde jouer. Donc c'est obligé de venir ensemble. Puis s'il gagne pas, la, ils vont perdre parce que le joueur, le Star player qui était hot, a commencé à essayer de passer à l'autre à ces joueurs qui sont froid. extra cold. Il à Booker, Booker c'est ça qu'il fait depuis deux, deux jours là. tu so, euh, t'es hot, tu t'es en mode Comme même Doncich la game 70 points, la game était tête là. Puis bah, à vrai. la fin, euh, Atlanta est revenu parce que Doncich a commencé à essayer de faire des passes. Les gars ont raté des layups. Donc so, quand tu vas pour des games euh, comme ça, yo, tu dois jouer toute la game C'est toi tout seul. Il n'y a pas de « At the end, je suis fatigué, je dois faire la passe. » là Tu dois aller all the way. Ok, parfait. Je vais faire deux prédictions vite-vite. Après ça, ça va être fini pour le basket. Uh, Pacers vs Celtics. Demain. Uh, demain. Je reste... Celtics. Moi, bon, je veux dire... Uh, Indiana. Okay, vais dire Celtics. Pacers. Celtics, Celtics au God. Indiana. Ouais. Uh, next game, le journée la journée d'après, sur le 31. Nuggets vs Thunder là avec Thunder est une game. C'est où Yokich. C'est où Oh, bonne question. Si c'est un Nugget, c'est Nugget. Je pense. Je ne Ça maintenant. C'est ta. Oh, c'est à... C'est Thunder. Oh, OK. À Thunder, c'est différent. Euh, à Thunder, j'allais avec Thunder, je pense. Parfait. Euh, champion... C'est ah, fini pour me so dire. Champions soccer. League. Soccer. Euh, les deux seules news, uh, Jurgen Klopp il a décidé qu'il ne va pas coacher l'année prochaine pour Liverpool. Euh, Je suis pas mal sûr qu'il va prendre une bonne année sabbatique. Mais bon, on va parler de ça déjà Non. non. C'est arrivé, euh, arrivé yes. durant, durant la semaine. Euh, Puis hier, hier, avant ouais, hier, Xavi a dit qu'il ne va pas revenir avec euh, le Barça aussi. Barça et Liverpool vont avoir besoin des nouveaux coachs. Euh, Il y a beaucoup de coachs présentement qui, qui sont pour les deux teams qui sont des rumeurs. Encore. Très tôt pour décider. That's Parce qu'ils finissent la saison, ils ont Les deux finissent la saison. Comme je dis, guys, on va plus parler de ça que le 13, on voit dans deux semaines, 13 février, 14 février, c'est le Champions League qui revient. Tu sais qu'il y avait la Cannes, qu'on appelle la Coupe d'Afrique. L'Afrique et la Coupe d'Asie. Présentement, ils sont dans les Run of 16, mais tu sais, quand je te dis Angola puis Iran qui sont en groupe des 16. On juste Upset c'est ce que je comprends. De ce que j'entends. Il y a là. des fous buts dans la Coupe d'Afrique, Dorota. Oui. Des fous buts. Oui, c'est ça ce qu'on m'a dit. J'entends juste les équipes se faire jouer comme. Parce oui, qu'ils ont perdu. <laughs> j'entends même pas des félicitations pour euh, les équipes qui ont gagné. La, la Côte d'Ivoire est en train. C'est les hosts de la, la Coupe d'Afrique ouais. cette année. Euh, ils, ont, ils ont tellement mal joué dans le groupe, mais ils ont été capables de rentrer euh, meilleur troisième à cause qu'une mmh. autre équipe a perdu. C'est eux qui sont devenus les meilleurs troisièmes de genre toutes les. Ils avaient fire leur coach avant que l'autre équipe perde. Lol. So, ils ont dû faire une règle comme spéciale pour avoir un avoir. nouveau coach pour la ronde des 16. Wow. Que, euh, la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie, I'm sorry, it's the biggest joke ever. Vous faites ça, <laughs> vous, vous ça mid-season pendant que toutes les autres compétitions vont être jouées. Vous ne faites pas comme l'Europe et la Coupe d'Amérique qui sont après les saisons. Vous faites ça au beau milieu de la saison. C'est <laughs> le temps que vous changez ça. That's all I'm C'est le temps que ça soit à la fin de l'année. That's it. NHL, là je on peut entrer là-dedans, les Canadiens rien de sérieux encore. <laughs> Donc, <laughs> une autre semaine à oublier. Une autre semaine à oublier. All right <laughs> guys, that was it pour aujourd'hui. Uh, next week uh, c'est le uh, pour le Super Bowl, c'est le All-Star uh, oh Pro Bowl. Bowl. Pro Bowl. a oh, yeah, next week exact. <laughs> On s'en fout. <laughs> <a> en, fait, <laughs> fait, en fait, je vais, vais peut-être l'écouter parce que c'est un ah, flag football game. C'est ça. Non, non, non. Il n'y a rien. Il n'y a, a rien. Il y a encore de la NBA. <laughs> Malheureusement, Laurent doit aller ball out à sa game de flag. so we, we gotta go. So, like, share, subscribe, comment. Et puis, see you next week.